Les femmes, aujourd'hui, meurent encore en donnant la vie. Donc la question de la santé sexuelle et reproductive reste essentielle en matière de développement humain, où que ce soit, sur cette planète. Les questions de santé sexuelle concernent essentiellement l'importance liée à la planification familiale et surtout aux soins basiques auxquels chaque femme devrait pouvoir avoir accès. Et l'accès aux services est parfois très difficile. Très difficile. Donc l'importance que nous, au Fonds des Nations Unies, nous accordons à cette thématique, c'est juste pour nous assurer que les femmes ne meurent plus en donnant la vie, qu'elles aient accès aux services de planification familiale et surtout qu'elles aient accès à l'information. Parfois, l'information est la chose la plus critique à laquelle elles n'arrivent pas à obtenir. Les jeunes, par exemple, jeunes gens, jeunes filles, doivent avoir accès à toutes les questions liées aux questions de santé sexuelle et reproductive. L'éducation complète à la sexualité est fondamentale. Elle permet à une jeune femme, à une jeune fille, une adolescente, à un jeune homme, à un adolescent, de pouvoir mieux comprendre comment son corps est fait et ce qui est important de connaître pour pouvoir avoir une vie décente et satisfaisante. Et surtout, pour ne pas commettre d'erreurs dans ses choix de vie. C'est pour ça que c'est crucial et important d'avoir une éducation complète à la sexualité. Maintenant, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'adapter à sa culture locale. Mais le contenu devra rester le même. Ce contenu, il est lié à la biologie de la personne et aussi à son environnement qui lui permettra de faire attention et aussi de profiter, de bénéficier de ce que sa vie et son entourage lui apportent. Nos recommandations sont très très simples. On veut qu'il y ait une éducation à la sexualité pour trois raisons essentielles. La première d'entre toutes, c'est d'éviter qu'il y ait des mortalités maternelles. C'est de s'assurer que les jeunes comprennent ce qui se passe afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, éviter les mortalités maternelles, c'est quoi? Savoir les services qui sont offerts, savoir avoir accès à la planification familiale aussi, pour pouvoir l'utiliser si on en a besoin, et surtout pour éviter toutes les pratiques néfastes et les questions de violence. Quand on a une éducation sexuelle compréhensive, ça vous permet de faire attention et de planifier votre vie, de rester pour les jeunes filles à l'école un peu plus longtemps, pour les jeunes gens d'avoir un comportement responsable. Donc à UNFPA, nous, il est important pour nous que les jeunes puissent en bénéficier où qu'ils soient dans le monde.